Voilà. Ce sont les loves. Les loves des ces formations géologiques de Tourrette-sur-Loup. Et je me suis attaché donc à aller les photographier et de faire en sorte de trouver une relation entre le côté brut, rugueux, très structuré, très froid de la pierre, et puis en fait son aspect purement visuel qui nous conduit vers une vision plutôt très sensuelle, voire même érotique. Voilà, c'est l'essentiel de ce travail sur un format carré qui permet donc de concentrer le regard justement sur mon intention première. Voilà. Merci. Mais je... Accepter les poissons, c'est ma création métal, c'est la seule que j'ai. C'est super beau. Merci beaucoup. Merci. 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 Everybody are allowed to take pictures, yes? On ne peut pas avoir toujours son chapeau à la main. C'est pourquoi on a inventé le porte-manteau. Moi, j'ai trouvé la peinture pour suspendre à un clou mes idées. Cela permet d'en changer et d'éviter l'idée fixe. Moi j'en ai une comme ça. Ah ouais, monsieur. Sur Facebook, moi j'ai laissé un magasin pour laisser les trucs là. Il n'y a pas un point de communication. Quand il y en avait eu un, le mec, le seul truc de bien qu'il avait, c'est qu'il faisait Facebook, la Free Bookshelf et Twitter. Là j'avais les infos, l'air de soi. Voilà. Et Twitter, et comme les autres, les réseaux sociaux, on est dans un univers, aller chez l'information. Faire ma formation. Comme je disais à mon ami ici, ça, j'ai comme ça une cinquantaine de cahiers que je fais depuis 50 ans. Et alors c'est ici que sont mes projets, les esquisses alors pour le livre qui est présenté ce soir. Qu'avant, donc ça a modifié, et c'est en racontant ce soir que j'ai réalisé ça, parce que je le fais, mais je ne le sais pas en fait. Mais en fait, c'est né comme ça. C'est instinctivement. Voilà. Naturellement. Oui, oui, oui.
Alors, déjà pour commencer, le scorpion guérit le scorpion. Paraclès. Je pense que les différents modes d'expression, pose, geste, acte, son, mot, graphisme, création d'objets, résultent tous d'un même ensemble de mécanismes psycho-physiologiques, qu'ils obéissent tous à une même loi de naissance. L'expression élémentaire, celle qui n'a pas de but communicatif préconçu, est un réflexe. À quel besoin, à quelle impulsion du corps obéit-il? Après un long silence, long comme une prière, le sage lui répondit : Écoute mon fils, et dis-le à chacun de tes frères. Pour atteindre l'illumination et la plénitude de l'âme, il te suffit d'accomplir en ton cœur ce que tu accomplis chaque matin dans tes rêves pour que le soleil s'y lève. Ces mots frappèrent si fort l'esprit du poète qu'ils descendirent dans son cœur.